Quotidien, bonsoir, bonsoir, l'humoriste Babas, révélation télé de ce début d'année 2011 sera notre invitée à partir de 19h15. Elle est aussi dans l'actualité, un livre sur Tony Musilin sort ce mercredi. Alice Géraud-Arfi viendra nous le présenter dans quelques minutes. Stanny Chen est son invité également, invité culture. Bonsoir Stanny. Bonsoir, on reçoit un pape ce soir, un pape mondialement méconnu, comme il dit lui-même, le pape des abrutis, ce n'est pas des abrutis. Et donc on va parler art singulier, art brut. Avec Louis Chabot. Bonsoir Louis Chabot. Bonsoir. Guillaume Berthoin. Le livre d'Alice Géraud-Arfi. Alors je l'ai dévoré pour savoir où il avait planqué ses 2,5 millions. Mais il n'y a pas la réponse. On n'a toujours pas la réponse. Et M. Show, le retour de la Trobine Chronique. Bonsoir, salut mon gars. Philippe. Salut, M. Show, ouais. Et on commence tout de suite avec la photo Beckham. Oui, cela fait 3 semaines que David Beckham s'entraîne avec le club de Tottenham. Malheureusement, il ne jouera pas avec Tottenham pour des raisons d'assurance. Et dommage. Pourquoi la photo Beckham lors de chaque début de chronique, M-Show? Parce que je suis un passionné, c'est mon idole et mon but, c'est de l'amener sur ce plateau. Avant le 1er juillet, ce sera le vendredi 1er juillet. Il vous reste encore 6 mois, tout va bien, tout va bien. Je croise les doigts. Actualité dense, quotidienne très chargée ce soir. Stanny Chen est avec nous, le ministre de toutes les cultures, avec son invité du mercredi. Bonsoir Stanny, vous me le disiez hors antenne, on va le dire à l'antenne, il est peintre, il est sculpteur, il est comédien, il est galeriste, il le est truculent Louis Chabot. Et puis il est barjot aussi un peu. Barjot aussi, oui. Mais... Il est expert aussi. Et mais puis bon. À son époque, il était président de la Ligue de football aussi, Frédéric Thirier. Et les barjots, bon plan sur la moustache de Frédéric Thirier. Ils ont fait carrière quand même, alors, les barjots. C'est quoi l'art brut? C'est quoi l'art brut? C'est un peu difficile à expliquer parce qu'on ne sait même pas ce qu'on fait, nous. L'art brut, c'est un art autodidacte, spontané et sensitif. C'est-à-dire que les artistes art brut, donc vous êtes pas formaté, singuliers, c'est des artistes qui font un art où il y a toujours des messages, des bons mots. Ce n'est pas du Picasso, d'ailleurs... J'adore Picasso, mais il faut voir. D'ailleurs, dans la culture, dans des expositions, on n'a pas besoin d'avoir une encyclopédie de la culture dans la tête. C'est comme dans la rue. On est des hommes, là, autour de la table. On aime ou on n'aime pas. On trouve beau ou pas beau. Voilà. Et là, vous trouvez ça Et je trouve ça Louis, beau. Mais merci. Louis, vous faites quoi concrètement? Vous faites quoi? Je fais de la peinture, voilà. De la sculpture. Et grâce à mon ami Lorraine, rue Pasteur, Larage, il m'a appris à faire du verre, je fais des sculptures en verre. Alors vous descendez de votre montagne pour une expo carte blanche chez Singulart. Alors Singulart, en deux mots, de quoi s'agit-il? Singulart, ça se trouve où? Ça se trouve où? Alors 46 montée de la Grande Côte, on démarre de la place des Thiéraux, ou en haut à la Croix-Rousse. Voilà, c'est une galerie qui est devenue un collectif que nous avons créé la famille, tous les Chabot, ma fille, mon fils, c'est mon fils d'ailleurs. Ah, c'est ça le principe de Singulart, c'est un collectif d'artistes. C'est un collectif, hein, oui. Voilà, parce que ça ne marchait pas bien. Et à un moment donné, il a fallu trouver des sous et faire payer les artistes pour l'année pour avoir des rentrées. Combien d'artistes chez Singulart? On a un collectif de 60 artistes. Ah quand même. Donc ça tourne et ça permet à un grand nombre d'entre vous d'exposer. Et oui, et ça commence à être très 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 connu. Bien sûr. Ça fait combien de temps que vous... On attaque à la 6e année. Oui, et vous, 40 années. Hein? Vous exposez depuis combien de temps? J'ai commencé ma première exposition en 1958. Oh là là, mais nous n'étions pas nés. Voilà. Nous n'étions pas nés. En 1958, première expo. En tout cas, moi. Voilà, ouais. Voilà. Bon. Et alors, et votre fille Fanny aussi qu'on voit ici? La petite mère Fanny, je regarde qu'elle ne soit pas là. Tu n'as invité qu'une vedette, mais c'est dommage, ma petite chérie. Ouais. Et bien, Fanny, elle démarre très, très bien. Elle expose avec moi pour la carte blanche. Donc, c'est l'autre génération. Oui. Et elle crée, elle, plutôt des automates Oui, elle est spécialisée dans les automates. Elle a une formation d'horlogère. Et est-ce que c'est un art qui est reconnu par ce qu'on appelle l'art officiel? Par exemple, est-ce que vous avez des chances d'être dans la prochaine biennale d'art contemporain à Lyon?
On ne saura jamais. Jamais. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est qu'on n'intéressera jamais la Biennale de Lyon, d'art contemporain. Et vous, ça vous intéresserait? Non, mais j'aurais très fier de faire la... Oui, mais je ne suis pas inconceptuel. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait une mafia de l'art contemporain? À Lyon ou dans France? À Lyon ou ailleurs, enfin. Une question innocente, hein. Ouais. Sans à la penser. On n'est pas une mafia, mais ça le devient parce que moi, je suis un précurseur des festivals qui ont fleuri dans toute la France et à l'étranger, en créant le festival d'art hors les normes à Prats-sur-Arly. Alors justement, parlez-en de ce festival à la montagne. Voilà. Et là, on fait cette année le festival hors les normes. Donc c'est vers Mégève, hein? À côté de Mégève. Prats-sur-Arly. Parce que les Lyonnais disent Mégève, ils disent pas Meugève. Moi, je m'en fous. Je suis du Midi, je prononce très très mal les choses. Je ne sais même pas si les téléspectateurs ils me comprennent. Ouais. Alors ce festival, donc. Mais le déroule, festival, cette année, il se déroule quand il se déroule à cheval, la semaine à cheval en juillet, la semaine à cheval avec le 14 juillet. Et là, cette année, avec ma femme Paulette, on a fait un choix extraordinaire d'artistes. Malheureusement, les artistes d'art singulier, brut, sont méconnus par l'art contemporain. Et c'est dommage. Grâce à beaucoup d'artistes comme moi, on fait des festivals, des expositions à droite, à gauche. On fait connaître ce milieu qui est de l'art contemporain. Ben oui, puisque et là, on a quand même... les gens, ils vont pas savoir, mais on a Haddad, on a Philippe Haïni, qui sont mondialement connus, qui sont dans tous les musées d'art brut et d'art singulier. Et j'ai une petite question. Est-ce que Keith Haring est considéré comme quelqu'un qui fait de l'art brut? Oui. Nouvelle figuration, tout ça. Lui, c'est un précurseur. Enfin, pas un précurseur, si vous dites que vous le savez depuis... Oui, mais on ne pourra pas y toucher la main, le pauvre. Une dernière question, Louis Chabot. Singulart, la carte blanche qui vous est donnée jusqu'au 10 février, ça veut dire que vous êtes... donner aucune limite ou il y a quand même un thème bien précis sur cette carte blanche? Non. La limite, c'est Louis Chabot et Fanny Chabot. Le père et la fille qui prend la relève, on l'a bien compris. Et quand même, je pense, à la rentrée de la Biennale hors les normes qui fait aussi partie de cette tendance, de cette mouvance. Mais ça, on en parlera peut-être à l'automne. Hein. Merci Louis Chabot. Ah ouais, merci, là, il faut éviter... On vous invitera, on fera une émission spéciale. Il faut éviter Lorraine, quand même, un garçon... formidable, qui fait un travail dans l'art brut, d'art singulier, extraordinaire. Et merci de votre visite papale. Monsieur Stani Chen. Bénédiction culturelle de Louis Chabot et les choix de Stani. Sculpture fonctionnaire. Fonctionnelle, le fumeur de Lucky Strike. Il prend sa cigarette dans le paquet, il remet le paquet, il prend... L'allumette et il allume l'allumette. Et il remet l'allumette. C'est fonctionnel, formidable. Créé par Louis Chabot, artiste mondialement méconnu. C'est un scandale. Pourquoi tant de haine? Je m'excuse. Mais quand même, c'est très original, j'ose le dire. Merci beaucoup, Elisa. Bravo. À bientôt, chers téléspectateurs.